Donc j'ai rien regardé du tout hein, sur sur Sonic Mania. Entre temps, j'ai pas rejoué, j'ai pas regardé de vidéo ni ni le let's play de Hooper que je compte regarder. Voilà, vraiment rien du tout pour pas me spoiler la suite. Je sais pas du tout comment ça se passe hein, par la suite. Donc Mode Mania, donc on s'était arrêté à ce monde-là, Mirage Saloon. Lui, ça serait le boss de cette zone. Attends, mais... Ah d'accord, on est en mode... je faisais map, là. Enfin, comme Sonic 2, là. Dans les derniers niveaux. C'est marrant, on commence comme ça, là. Putain, lâche-moi, toi. Ah d'accord, le cactus, c'est du décor. Ah bah oui, c'est carrément les mêmes ennemis, quoi, mais dans un style différent, quoi. Excellent. Par contre, ça bombarde, la vache. C'est du décor, ok. Je crois que c'est des pics qui tournaient. Merde, je me suis fait avoir par quoi. Espèce de vautour là qui tombe vite là. Je sais pas si on peut aller. Non, c'est un scrolling. On peut aller plus haut, plus bas. Putain, c'est le gros clin d'œil à Sonic 2 là. C'est les mêmes ennemis quoi. Sur un des premiers bonus stage Blue Sphere. Sur le... D'accord, sur le let's play de Hooper. Ouais, c'est pour ça que j'aimerais bien voir, histoire de rigoler quoi. Quoi, il est bloqué à l'écran titre. Ça oui, merde, j'ai pas vu l'écran, je regardais le chat. Ouais, j'imagine qu'il reste 20 minutes avant de commencer à jouer quoi. Merde. Vite. Merde, y'a plus rien. Hop, c'est bon. La musique est pas mal au fond. Enfin, c'est pareil, je me suis toujours pas écouté l'OST du coup. J'attends de finir le jeu. J'ai l'impression d'être loin du micro, vous m'entendez bien hein? Excellent, Robotnik dans le train là. Putain, c'est quoi ce gun? Oula, d'accord. On va se faire tout ça là. Ah, cool. Ah bah tiens, bon, on va se le tenter alors attends. Bon tant pis si je crève. Non c'est bon. Allez on y va, le son est nickel, super cool. Il était en transe. Ah j'imagine. Putain, ah oui alors on se refait encore ce bonus stage maudit là. J'ai trop de mal. Mais c'est quand même dur hein, les émeraudes. Pas évident, surtout que on peut se péter la gueule là. Putain, puis t'en es bien dérivé. Ah merde, je crois que c'était au-dessus. 26 secondes. Essayer de prendre le max de pièces, puis on va essayer de le rattraper. Putain, faut que je chope aussi le max à fond. Très vite hein. Ok c'est cool. Eh hey, merde putain mais c'est chaud. C'est vraiment chaud hein. Ah bah faut que je m'entraîne à ça. Une fois qu'il fonce putain pour le diriger après faut anticiper comme un malade quoi. Bref faut connaître les parcours. Bon je sens que je vais rester bloqué sur ce bonus stage finalement. Allez hop. Donc je pense pas qu'il y aura de Super Sonic sur cette partie. Hein. Enfin si c'est bien Super Sonic à la fin. Oula, c'est quoi ça? Ça c'est cool. Tiens allez. On va se faire un petit bonus stage comme ça. Attends. C'est un peu casse-couille ça. Ah, j'aurais pu faire un grand rectangle, merde. Ouais, bon, c'est pas grave.
Mais du coup, non, mais c'est foiré là pour les anneaux. Faut que je fasse un grand rectangle pour être sûr. Ça sert à rien que je fasse ça. Enfin, c'est vicieux. Hein. Il nous empêche de faire des carrés. Hein. Putain, ouais, bah d'accord. J'ai pas anticipé là les deux rebonds là. Il y a une astuce pour prendre de la vitesse plus rapidement dans ces stages. Ah, ok. Ah tiens, bah, là, le flingue. Oh putain. C'est... Ah ok, putain, marrant. Qu'est-ce qu'il me veut encore lui? C'est quoi? C'est un glitch, un truc comme ça là pour aller plus vite? Oh putain. Excellent. Bon, pour l'instant, je sais pas si je peux faire quelque chose. J'essaie de lui sauter sur la gueule, mais j'arrive pas à voir la perspective là. Je sais pas si j'ai cru lui avoir sauté dessus tout à l'heure. Tiens, là, c'est bon. D'accord, là, il est sur mon plan. Non, mais je peux rien faire quand il saute comme ça. Ah si si, mais putain c'est un endroit... C'est précis là le... Merde. Ça c'est con ça. Qu'est-ce qu'il fout? Enfoiré. Putain, on peut pas... J'arrive pas à trouver le moment de sauter là. Bon, voilà. Cette technique soit à répétition pour choper le coup de main pour y arriver. Comment ça? À force de sauter, ça permet d'aller de foncer? Merde, attends, ça se pétait la gueule ça. Ah bah c'est bon, ça vole. Salut Spywave. Contour peut prendre n'importe quelle forme, jusqu'il y ait au moins une sphère bleue à l'intérieur. Ah bon? Attends. Comment ça, une sphère bleue à l'intérieur? Ah d'accord. Et ça peut être comme un cercle parce que... Putain, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que dans Sonic 3, il fallait forcément faire des carrés ou des rectangles, mais jamais de gros contours en cercle. Soit ça a changé, soit on pouvait le faire avant. Je sais pas. Du coup, tu m'apprends un truc là. Ça se pousse pas ça? Non. Wanted. Alors ce niveau il a été souvent montré je crois hein, quand il montrait des aperçus de ces Sonic Mania. Ça faisait partie tiens. Ah j'ai fait d'accord. Fait tomber le sable. Mais j'avais pas trop regardé également. C'est pas un flip ça. J'avais pas trop regardé comment était ce niveau. En fait, j'ai vachement regardé quand il y avait Flying Battery, enfin des mondes connus. Mais les nouveaux, genre Studio Police, tout ça, j'avais pas regardé pour pas me gâcher la surprise. Quoi. Débile ça. Même pour Sonic 3 ça marchait, d'accord, ok. Bah tu vois, j'étais persuadé qu'il fallait tout le temps faire des... Merde. Des carrés, mais ok. Ah du coup là t'es... Merde, t'es obligé de faire ça quoi. Ces formes là. Si tu veux avoir tous les anneaux et avoir la médaille... Putain mais je peux pas le prendre ça. La médaille d'or. Ouais, on va pas refaire. Putain, c'est quoi ce délire? Alors, attention, gros shoot. Ah, là, je choisis. Alors, hop, ah, d'accord. Beau choix. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ah merde, j'ai raté encore le flip. Oh, un piano. Ok. Je crois que c'est stage. Putain, j'essaie de lire, mais je vois qu'il y a un ennemi qui m'emmerde. Ça, c'est vraiment pas facile. Tiens, on va aller un peu à gauche, ouais. Ouais, c'est ça, on explose le sable. Une fois qu'on l'utilise. Attends, à gauche. Ah non, ça c'est bien ça. Extrapolation d'un niveau bêta dont les screenshots sont apparus sur certains magazines de l'époque. Ah, c'est peut-être pas faux ça. C'est peut-être pas faux, ça me parle vaguement en fait. Vulnérabilité. Putain, mais n'empêche ce nombre de chemins qu'on peut prendre. Ça se trouve, il y a 10 méga rings à chaque niveau. Avec une taille comme ça, là. Putain, j'ai eu du cul, là. Putain, il y a un vautour. Je crois que je préfère quand même l'électricité. Ah ouais, au fait, l'autre fois là, j'avais essayé de regarder dans les bonus si j'avais débloqué des trucs par rapport aux médailles que j'ai gagnées, il y avait rien. C'est-à-dire qu'il faut finir le jeu au moins pour débloquer les bonus. Oh putain merde. Oh, excellent le son. C'est le son de la version 8 bits, ça. Par contre, lui, il me dit quelque chose, non? Attends. Il est pas inconnu là, ce perso, c'est bizarre. On a peut-être vu une affiche, remarque. Quand il a un robot, putain, je suis toujours à côté, hein, quand il s'agit des boss, quoi. Attends, mais c'est pas. Si, putain, ça me dit trop quelque chose, c'est. Non, mais on a dû les voir en affiche, je sais pas. Ils me disent quelque chose, ces persos. Soit c'est. C'était dans les stages, là. En affiche, soit ça vient de Knuckle Chaotix. Chaotix, je sais plus le titre, là. Si lui, on l'a vu. Alors, salut Stalav, salut Totor. Également, je vois que t'as rejoint. Geek the Cat en maigre. Un super Geek the Cat, alors aussi, parce qu'il est jaune. Ok. Donc on a fini l'acte 2. Putain, c'est, je trouve qu'il a été assez rapide là, ce monde. Ah putain, Oil Ocean. Alors ça. Putain, je monte le son parce que cette musique a été pas mal. J'aimais bien cette musique sur Sonic 2. Ah, déjà, c'est un peu plus dynamique là. Putain, la substance. Espèce de pétrole là en bas. Avec les mêmes sons. Attends, remarque, non, je baisse le son parce que vous allez avoir le retour et avec le décalage ça va pas le faire. J'ai remarqué ça sur la première partie de Sonic. Ouais, d'accord, ça aussi. Attendez, je règle un peu les choses. Voilà. Bien. Enfin, est-ce que c'est bien ça avec eux? Putain, si je touche le sol, à votre avis, je fais tout flamber là ou? Ça craint peut-être là, c'est peut-être plus un malus là, cette bulle. Sonic the Fighter. Ah! C'est ça alors. Je savais bien que ça venait de quelque chose.
C'est excellent quand même. Énormément de clins d'œil. Pas mal le remix. Oh putain, oui, je fous le feu. C'est énorme. Attends, je vais essayer d'aller tout en bas. Oh putain, je vais perdre une vie, quoi, c'est obligé. Et déjà ça, faut pas que je traîne, quoi. Merde. Oh le con. Ah, mais ça me... Oh putain. Oh l'enfer. Ah, ce qui est bien, c'est que ça nous fait rien. En même temps, c'est du feu. Remarque, avec notre bouclier, on est immunisé, mais bon. Je pense qu'il y a une limite, quand même. Wow, la vache. Ouais, cool. Pyromane, tu m'étonnes. J'essaie de lire un peu. Comme ça. Ah, c'est sûr que quand... Si je fous le feu et que je perds le bouclier juste après, je suis dans la merde. Attention, parce que je crois qu'on peut se faire écraser. Hein. Si on se foire. Merde, je voulais choper le... les anneaux là. Oh, mais c'est bordel, normalement tu fais tout péter quoi. Enfin, à cet endroit, je fais tout péter avec ça. Il y a même plus de zone quoi, c'est fini. On va voir, putain, si Robotnik est dans le pétrole. Ça va lui faire drôle hein, si j'arrive à garder cette bulle. Oh putain, oh, heureusement que ça rebondit. Je crois qu'on y est. Ah merde, c'est pas lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu me veux? Quoi? Attends, mais... Ah! C'est son hélice qui m'a fait mal. Putain, merde, attends, j'étais dessus là, c'est quoi ce bordel? Ah, ça c'était pas prévu. Ok. Par contre, checkpoint... J'en ai eu un avant le boss là? Ouais, si, apparemment, ouais, c'est là. Ça va être moins rigolo maintenant. Ah ouais, son hélice me fait mal, d'accord. Attends, c'est où qu'il y a des trous? Ah, c'est là. Ok. J'espère que ça switch pas là au-dessus. Oh merci, Tails. Là. Apparemment, je vais bien. Un petit ramage là. Bienvenue Zio. Putain, c'était fait. Je sais pas ce que ça rend sur le stream là, c'était fait de fumée là. C'est sympa. Reste au milieu. Ah putain, une variante que je connais pas. Attends. Le début est différent quoi. Putain merde. Attends. Je vais faire un truc comme ça. Hop. Voilà. Putain. Ah, faut que je monte là. Putain, mais on voit que dalle. Et vous allez rien voir du tout, hein, c'est obligé là. Ah bah désolé, là, ça sera sur la rediff. Hein. Putain, c'est horrible. On voit que dalle. Et salut Totor. Ah non, mais cet effet de fumée, ça doit vraiment pas très bien rendre. Ok, cool. Ah tiens. Après, moi je vois que dalle, hein. Enfin, c'est chaud à voir les plateformes là. Ah. Merde. Attention. Ah, c'est peut-être timé là, ces trucs là. Ouais, ça a l'air d'être timé parce que là ça revient là.
cette brouillard de ouf là. Enfin, cette fumée plutôt. Putain, s'il y a des pics cachés là, je vois que dalle. Ah, là, il y a. Faut que je le chope ça. Voilà. Putain, c'est le bordel quoi. Ah, t'as intérêt à garder cette bulle quoi. En dessous il y avait des trucs, attends. Ouais. Ah bah c'est. Ah ça fait cacher les bonus quoi, tellement il y a. Tellement c'est le bordel avec les flammes. Ah, à gauche. Par contre j'ai. Attends, on peut passer en dessous là. Non, ça a pas l'air. Putain, non, je crois qu'il fallait le prendre quand j'étais au-dessus. C'est un peu chaud. Bienvenue aux nouveaux followers. J'ai vu là. Bozo, Yahoo, Yowi, je sais pas quoi. Bienvenue. Ouais, erreur 404 aussi, attention. Non, je sais pas. Non, mais je te dis, comme je disais au début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de followers. 400. C'est limite, je sais pas, j'ai doublé mon nombre de followers en peu de temps alors que j'avais mis plusieurs années avant pour en avoir 200. Mais c'est surtout qu'il y en a beaucoup qui suivent sans le vouloir quoi. Dû à l'application Twitch. Oh putain, ce coup de peau quoi. Bon allez. Alors tu dis quoi, en faisant plein de sauts à la suite là? Attends, c'est... J'imagine que... Ah oui putain. Enfin non, attends, mais c'est incontrôlable là aussi. Ah non, mais c'est une technique de speedrunner là que tu m'as indiqué là. Non, c'est... Ouais, je sais pas, je dois mal le faire, bah oui. Alors là, complètement. Bon, tant pis. J'essaierai, je regarderai ça, comment on fait là. C'était bien foireux quoi. Saut plus une technique de la direction. Ouais non mais c'est d'accord, c'est un truc assez chiadé quoi. C'est pas grave. Et bienvenue également à Tonto 92. Voilà, je voulais essayer voir si c'était peut-être facile, j'en sais rien. Oula. Merde, je suis dans un sous-marin là, c'est quoi? On dirait. Ça c'est pas mal, c'est assez inédit dans ce monde. Alors, d'abord, hop, faire ça. Ah, rigolo. Merde. Par contre, je me demande si Tails il se prend pas des dégâts là sans cesse. Ah, ouais, si, il brûle sans arrêt. Putain, mais le pauvre il peut rien. Il peut rien faire quoi. Ah, il souffre en permanence quoi dans ce monde avec moi là. De toute façon. Le pauvre. En général il perd je sais pas combien de vie quoi. Ah. Attends, peut-être que. C'est peut-être le calmer ça. Ah bah tiens, ouais, d'accord, c'est le... Attends, je sais jamais quand il tire, c'est ça qui est chiant. Oh la vache. Qu'est-ce que c'est? Saleté. Tiens, flanc. Putain, c'est le bordel. Attends, j'arrive pas à monter. Putain, c'est miraculeux que je me suis pas pris ça, quoi. Ah ouais, c'est un bon remake du celui de Sonic 2 là. En plus, c'est cheaté là parce que les projectiles rebondissent sur mon bouclier. Ah, par contre là, je l'ai pris. Putain, faut pas que je tombe. On n'avait pas autant d'espace aussi dans Sonic 2. Il a été cool là.
Ok. Tu peux aussi l'attaquer le laser. Je sais pas, j'ai pas essayé. Je sais que dans le 2 on pouvait pas. Peut-être qu'on pouvait là. Merci. L'avarif. Ah putain, alors ça par contre, je pense que c'était un monde qui est... Ça c'est un monde qui devait être dans Sonic 3 ou Sonic & Knuckles. À moins que ça y est. Parce que cette musique là, je l'avais entendue dans l'OST du 3. Putain, j'essaie de me rappeler si sur le let's play de Sonic & Knuckles, on l'avait entendu cette musique. J'ai des doutes. Si, si, on l'a entendu. Forcément, si, si, on l'a entendu. Putain, je dis beaucoup de conneries, hein. En même temps, je commence à tout confondre, quoi. L'avarif. Ah, donc ça vient de Sonic & Knuckles. C'est bien ça. Putain, je dis vraiment de la merde, hein. Désolé, hein. Pourtant, je l'ai fait il y a quoi, même pas un mois. Après, bon, voilà, vu que je connaissais pas trop Sonic & Knuckles, je suis pas trop retenu non plus... ce niveau-là, quoi. Et la musique, ouais, me disait bien quelque chose, mais je l'avais entendu à l'époque sur Sonic 3. J'ai choqué. Et bienvenue, Nono. Attends, je lis en même temps, j'essaye, là. C'est pour ça que je suis pas très vite. Le jeu de Choupi. Merde. C'est ça que j'essayais de comprendre. Putain, j'ai quand même des vagues souvenirs. Enfin, ça devait être comme ça, mais. C'est vrai que ça m'avait pas trop marqué, quoi. Putain, et Tails, il m'aide pas mal, hein, dans celui-là, quoi. Il me bute des boss, là, il m'active des switch. Attends. Bah, ça marche plus, là. Ah oui, non, mais je suis con, voilà. Ah bah, d'accord. Bon, bah, il me troll. Ah, putain. Ouais, je confonds tout, puis bon, aussi... On s'est claqué pas mal aussi, donc la mémoire va être restaurée bientôt. Ah d'accord, c'est pour Sonic & Knuckles. Ok. D'accord. Oh putain. Ouais, il est sympa le niveau, j'aime bien. Encore un secret là. Peut-être finir par trouver un autre anneau là. Et enfin réussir ce bonus stage de l'enfer. Ah mais ça se pète pas en fait, hein. Il est obligé d'exploser. De toute façon, c'est bourré de secrets, quoi. Faut scanner. Ça, putain, c'est un peu chiant. Enfin, c'est bien la chaussure. Ça permet d'aller super vite, tout ça, mais. Ça t'apporte aussi vite fait la mort, hein, je trouve. Je crois qu'il y ait la chaussure et la vulnérabilité, quoi, pour que ça soit vraiment pété, quoi. Dans les murs.
Putain, ils sont quand même bien éclatés hein, sur le level design hein, pour faire vraiment des enchaînements là. Bah, c'est pas, ça doit pas être évident à concevoir quoi. Et là, ils se sont bien lâchés, c'est cool quoi. Ah, saleté. Quoi, attends, je faisais même la boussole. Attends. Putain, merde. Tu fasses un reboot. Ouais, ouais, pour le... c'est clair. Un bon petit reboot. Ouais, c'était pas évident la boussole là, sur Sonic et Knuckles, je m'en souviens. C'était pour un méga anneau là. Avec le décalage de 20 secondes, c'était pas évident quoi. Oula. Putain, mais c'est pareil. Je sais pas où était planqué le... l'interrupteur là. Merde, les piques. Faire tomber, non? Ah non, mais d'accord, il creuse dans la lave et ça l'explose. Enfin, je suppose, ouais, il est à poil. On va le faire là. Moi je peux pas. Ah, si, il l'a attaqué là. Il a réussi à l'attaquer. Merde. D'accord, non, mais si on peut l'attaquer quand il est refroidi quoi. Là, je peux. Putain, casse-toi. Ok. Les chaussures égales supersonique mais sans l'invincibilité. Ouais, c'est exactement ça quoi. Puis tu fais pas les méga sauts. En même temps, je suis à la fin de Killzone 2 en mode élite. J'ai pas trop le temps de parler. Bon, si, en élite. Bon courage. Oh putain, la musique. Ah ouais, elle est bien changée là. Et bienvenue, Zilou. Ça se trouve, quand je dis bienvenue aux personnes là qui follow, je parle dans le vide. Hein. Ça se trouve, ils entendent pas du tout. Enfin bon, tant pis, par politesse quoi. On sait jamais. Putain, elle est pas mal la musique là. Ça change carrément de l'original. Non mais ça s'arrête ça ou pas? Attends. D'accord. Que dalle hein. Je suis revenu là. Je sais pas si en bas il y a des choses. Non, je peux pas descendre. Attends, je vais tout faire en haut là. Ouais. Ouais, voilà, c'est pour ça. Bon, je le dis quand même quoi, mais. Après, si j'en oublie, voilà, c'est pas trop grave. Sauf si, comme par hasard, je tombe sur une personne qui est vraiment sur le live et que je lui dis pas. Et là, c'est pas de chance. Saleté. Ah putain, ça va être chiant là. Bon, Tails, tu vas m'aider. Ah putain, bah oui, d'accord, mais avec ma boule de feu de ouf. Non, mais c'est bon, je suis allé en bas. Putain, mais. T'as les moyens de péter ça peut-être? Non, je peux pas. Secret là. Non, Tails il a changé de sens. Putain. Je peux marcher là. Ouais. Alors attention, cette merde là. Putain. Ah putain. Merde. Il se fait enchaîner quoi, le pauvre Tails. Ah merde, il y avait une ville. Bon, mais là c'est du vide. Enfin, bon, c'est. Ah d'accord, faut descendre. Je crois que c'est dead.
Ah, ça c'est cool. C'est quoi ce saut qu'il m'a fait là? Ah bon, laisse tomber, continue là. Putain, comment ça t'empêche? Oh merde! Comment ça t'empêche de progresser? Ah! Allez, on retente! Oui, la plupart sur live. Merde, putain! Ah, ne sont pas sur live. Oui, d'accord, je l'ai déjà lu ça. Follow. Putain. J'arrête de regarder le chat. Je regarde toujours au meilleur moment, j'ai l'impression. Merde, faut que je ramasse des pièces, je suis pas bien. Putain, mais comment tu veux faire? Oh là, j'ai rebondi sur quoi là? Putain, une fois que c'est emballé, mais laisse tomber, tu peux pas freiner, tu peux rien faire quoi. Ah putain, va falloir vraiment que je m'entraîne à ça quoi. Je sais pas s'il y a moyen de s'entraîner dans le menu principal, si on peut se faire les bonus stages comme ça, histoire d'eux. Parce que putain, je vais en avoir besoin. Là. Merde. Putain, ça a repopé ces conneries. Ah mais comment je reviens là? Attends, non, il devait y avoir un autre accès à droite là, c'est pas possible. Ouais. Quand même pas enfoiré à ce point là. C'est clair, faut y mériter quoi. Il y a le Sonic Super Saiyan dans le jeu. Bah normalement, enfin j'imagine, si on avait cet émeraude d'autant Super Sonic ou en Hyper Sonic, j'en sais rien. Enfin, s'ils ont enlevé ça, c'est... Ce serait débile. Ah, attends, on dirait qu'à droite. Ouais. Ça se trouve là, il y a un mur. Que dalle. Je pensais que ça irait plus haut que ça, quoi. Vu comme ça se concentre. Merde. Ah, oh, ça m'a fait peur, ces conneries. Putain, merde. Et pourquoi ça me pique pas alors que je fonce dessus? C'est bizarre, ça. Contrôle. Excellent. Ah, attends, c'est faut appuyer au bon moment là. Putain, je suis pas bon à ça. Ah là. Oui, d'accord, c'est quand c'est au milieu qu'il faut lâcher. Attends, reviens, Tails. Il y a moyen de se faire un bon petit truc là. Vite. Oh, putain, ma foire. Mais non, mais. Pars pas sans moi, putain. Lâche. Allez, c'est bon. Voilà. Ah oui, non, mais il crame. Ouais, c'est pas grave. On va continuer. Attends, ça, c'est le genre de truc que je vais me faire écraser encore. C'est plus ou moins dur, cette lave. Ah oui, pour les émeraudes. Ah là, j'ai un peu de mal quand même pour les émeraudes. Putain, c'est risqué. Putain, c'est bon. Ah non, il y a... Voilà. Encore une machine. Putain, comment on éclate les ennemis, quoi. Sans laisser de traces. J'ai eu un trophée. Donc ouais, là, j'ai réactivé les trophées, là, pour cette session. Histoire de voir un peu ce qui se débloque. Mais c'est sans fond, c'est dans... Attends, je sens que je vais me faire écraser, je sais pas pourquoi. Bon, de toute façon, ça sert à rien en fait. J'ai la boule de feu quoi. Ah. Allez, on retente. Putain, merde, il y a l'économiseur d'écran qui s'est mis. Putain, c'est bon. J'espère que ça a pas pété le. Ça a pas pété le stream, ça? Enfin, pété le layout ou autre.
Bon, c'est vraiment un échec. Hein. Non, il n'y a pas de platine dans le jeu. C'est que des trophées d'or, argent. Bref, vraiment comme un jeu PSN, quoi. C'est pas considéré comme un jeu, entre guillemets, complet, je sais pas comment dire. Retail. Donc voilà. C'est dommage. D'ailleurs, je me demande... Ah putain. Si les succès sur Steam, y en a peut-être plus que sur... sur les consoles. Parce que ça arrive hein, sur certains jeux qu'il y a plus de succès ou de trophées, enfin je sais pas, vous appelez ça comme vous voulez, sur Steam que sur console quoi. Ils ont pas trop de limites si vous voulez sur sur PC au niveau des succès, alors que sur console ils sont obligés de faire un certain nombre de points si on veut. Putain, j'ai perdu pas mal de trucs, quand même. Pas mal d'anneaux. Putain, je me suis bien foiré sur le bonus stage encore. Mais c'est disons que c'est de pire en pire, quoi. Plus on progresse, plus je fais de la merde, quoi. Mais... bon, alors là, attends. C'est bon. C'est clair que là, pour avoir les 7 émeraudes, là, c'est un peu foutu, quoi. J'imagine même pas les niveaux suivants. Disons que succès sur Steam. Ouais, ça doit être pareil alors. J'ai l'impression que c'est pareil. Salut Max Mac Circle. Oula, c'est quoi ce fade out? Ah, ok. Change de zone. Oh oh oh! Ah, le truc qui va à 300 heures! Qu'est-ce qu'il se passe? Putain, il est fou lui! C'est le cirque là! Putain, mais. Il est tendu celui-là quoi! Bon, Tails, je compte sur toi là! Va vite là, attends. Ok. Oh, super. Prends la pièce, putain. Oh, c'est chaud, anticiper là. Putain, il m'a bien trollé là. C'est bon. Mais appuie, putain. Mais fais quelque chose, Steak. Steak, il a pas de puissance. Excellent. Metallic Madness. Putain, là les niveaux se ressemblent tellement, là, enfin les derniers niveaux que là je sais pas vous dire si c'est un... Si c'est un niveau de Sonic CD ça, non? Je sais pas, là je saurais pas vous dire, là je sais plus. Ça ressemble à ça en tout cas. Pièce à la place à nous. Ah mais ça je le dirais tout le temps hein. Mais je pense que je suis pas le seul à le dire. Je suis pas le seul à dire pièce au lieu d'anneau sur ce genre de jeu quoi. Enfin sur Sonic. Ok, donc on va aller par là. Oh, c'est quoi ça? Putain, énorme.
Putain, ça doit être dur de porter tout ça, là. Pauvre bête. Précieux. Ils sont pas durs les stages à émeraude, faut juste se concentrer sur le fait d'avoir des anneaux. Ouais, mais bon, faut quand même... Oh putain, attends, ça sent le truc. Ah ouais, excellent. Passe dans le fond. Putain, c'est beau, ça. Ouais, bah faut le coup de main, quoi, mais ça, bon, je l'aurai au bout d'un moment. Ah, par contre, hein, j'arrive pas à passer au-dessus. Là. Putain, ça me rappelle un jeu sur 3DS, là. Je sais plus du tout le nom du jeu, là. On passe au fond, on revient en avant. Enfin, c'est pas que sur 3DS, c'est également sur Steam. Mais disons que c'est bien sur 3DS pour l'effet 3D. Là, au moins, ça marche. Je sais plus le nom du jeu, c'est un truc avec mutants. Il y a un jeu que je vous conseille, hein, qui est vraiment bon. Ouais, mais ça, c'est Sonic CD, c'est clair. Je crois que c'est dans Sonic CD, ça. Super. Oh, merde, voilà. Putain, mais j'avais même pas vu que j'étais là. Tu es le seul au monde à confondre pièces et anneaux. Si, je t'assure. Ah bon? Bon, bah écoutez, tant mieux. Tant mieux que je sois le premier alors. Mais je crois l'avoir déjà entendu quelque part hein, sur YouTube quand même. Mais bon, je m'en fous. Donkey Kong? Mais qu'est-ce qu'il fait lui? En fait, il pousse des pics. Oh, cette bête. Attends, je vais prendre là. Oh putain, attends, ça se c'est de la malchance ou alors ça détecte mon mouvement là? Oh, shit. Ah, ça patent à gauche, j'ai cru voir. Non, c'est pas conduit ça? Non. Là faut quand même voir. Je sais pas si vous voyez quelque chose là sur le stream. Là c'est toujours sur petit écran, t'es mal hein. Putain un truc c'est... Putain c'est... Ça a l'air d'être un monde de fourberie là. Putain oui, effectivement. Ah c'est de la fourberie absolue ce monde. Moi, ces trucs-là, je me méfie. Ah, Donkey Kong sur Wii. Ouais, je m'en rappelle plus trop. Ça m'a plus marqué d'autres jeux, vu que c'était vraiment axé sur ce principe. On est au boss. Wouah! Le boss de Sonic 1, quoi, énorme. Bon, ils avaient plus d'idée de boss, donc ils nous remettent les. C'est des premiers. Bienvenue, chat. Cham. Tout. J'ai lu à l'envers. Hop. Putain oui, mais il est vachement plus fragile que l'original. Attends, mais c'est pas fini. Putain. Ah ouais, mais c'est l'enfer là. D'accord. Ah, excellent. Mais c'est le dernier monde de Sonic 1. Là non. Ça ressemble pas à ce... C'est pas le monde de Sonic 1 là. Scrap Brain Zone. Par contre là c'est le boss de fin de Sonic 1. Ce principe.
Oh. Putain, mais t'as une chance sur deux. Pas pour moi, ça. Surtout qu'ils étaient vachement écartés, là. Oula, mais ça change de direction. Merde. Ça, c'est nouveau, ça, par contre. Ça change de direction quand... Regarde, là, ça va aller vers moi. Hop, là, ça va vers la gauche. Alors ça, j'aime pas trop. En plus, ça... Putain, puis tu vois mal, là, avec le truc rouge, là. Ok. Sympa. Putain, Mew de Deluxe. Voilà, c'est ça. Petit jeu, merci. C'est ce jeu-là qui est vraiment sympa. Franchement, je le conseille. Et bienvenue, Nicolas, 52 000. Oh merde, il y avait une plateforme. Oh, votre Mickey qui chante de nouveau derrière. Attends, ça c'est un tremplin. Ça vient de Sonic CD, ça. Ah bah attends. Oh, putain, attends, ça va être perturbant. Ah oui, là c'est un peu plus long que sur Sonic CD. Hein. C'était une toute petite phase sur Sonic CD, ça. On pouvait passer derrière comme ça. Là je sens qu'on va en bouffer. Hein. Super Meat Boy. Bienvenue Liam. Je regarde le chat, mais il y a vachement de what follow qui arrive. Wizbot est en train de spammer. Ah, excellent! On va être un tout petit. Et merde! Pourquoi ça n'a pas marché là? C'est bien une machine pour être tout petit, ça. Je sais pas ce qu'il a éclaté là. Attends, va s'il allait. Putain, ça va être chaud. Ah, oh, putain, ouais, non, ça va être tendu là, d'avoir le conduit là. Je pense que... Ouais, on va aller à droite. Oh putain. Quel con. Ah bah voilà, c'est ça, donc c'est laser rouge. Est-ce que Tails va venir? Tiens, viens. Approche. Hop. Ils sont excellents. Ouais, j'adore. Attends, quand il s'énerve, j'aime bien aussi. C'est rigolo. Ouais, la musique sont excellentes quoi. Calmez-vous les follow. Oh putain. J'ai eu du cul. Merde. D'accord. Tu fais le con là, non? Bon tant pis. Casser de là, j'ai peur de me faire écraser. Ah, c'est fini déjà, merde. Mon Tails, tu restes comme ça. Excellent, il est resté en petit. Putain, attends, ça fait mal aux yeux, ça. Ah, il y a une fille. T'as condamné à être petit à Tails. Sauf si on rencontre d'autres lasers. Putain, ça doit pas rendre super bien là sur le stream, cet effet là. Soyez patient.
Merde, il était sur mon plan lui. Enfoiré. Allez, merde. Tant pis. Bah, c'est à force de gagner sans anneau. Je l'ai bien dit là. Force de choper sans anneau, je gagne des vies quoi. Je voulais pas y aller. Putain, je voulais faire. Oh, fais chier. Bon, bah tant pis. C'est parti. Oh putain, ça c'est les niveaux de l'enfer ça. Quand faut jouer avec les bumpers là. Ouais, j'essaye d'avoir la médaille d'or, j'y crois. Sauter, c'est pas grave. Oh putain, c'est tendu quand ça fait ça. J'ai fait le con là, j'ai raté des anneaux. Ah, fait chier. Attends, moi je sois très bourrin. Ouais, je crois que j'étais très bourrin. Eh merde, ouais. Il y a moyen d'en sauter deux, mais je me suis foiré sur le timing. C'est pas grave. Ah d'accord, sympa. Ah d'accord, c'est rare d'avoir. Il triche. Oh, si vous voulez, hein, je triche. C'est marrant ça aussi, hein, comme... Bien observé. Ça va loin, ce connerie. Tombe pas. Ça va, on te laisse assez le temps quand même de te placer. Je sais pas si plus tard ils vont juste te laisser une seconde. Par contre, c'est clair, faut comprendre le principe. T'es presque obligé de crever le premier coup, quoi. Vas-y, viens. Ouais, ok. Bon niveau. Putain. Ah, du coup, il doit y avoir. Merde. Je pensais que je pouvais monter. Il doit y avoir un mini Knuckles aussi, ça doit exister quoi. Oh merde, je me fais un boss comme ça là? Vraiment? Faut rentrer dedans. Ah non, on fait tourner ça. Oh putain, c'est quoi ça? N'importe quoi. C'est excellent. Enfin pas, tiens, Amy. Putain, Amy qui colle. Ah merde, putain, c'est une bombe. C'est un des mini boss là. Mais l'idée est excellente quoi. Non non, Amy dégage. Fous le corps. Dégage. Mais... Laisse-toi prendre Tate. Voilà. Rien. L'excellent. Très bon boss quoi. Putain, c'était énorme.
Ouais, non, mais ouais, on gagne quand même facilement. Il y a énormément de pièces, quoi. D'anneaux. Non, mais je m'en fous, je dis pièces. Ah, j'ai pas vu le titre. Titanic, je sais pas quoi. Ça aussi, c'est un. Là, c'est un monde inédit, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Pose-toi. Ah. Oh. C'était quoi cet hexagone là? Ça marche, Sadav, merci d'être passé. Bonne nuit à toi. Et à très bientôt. Putain, mais ils sont bizarres les ennemis ici. Bienvenue, Vanessa. La musique est pas mal. C'est un style assez différent, je trouve, la musique. Ah oui, d'accord, ça se bascule. Je peux. Petit corridor de sens. Oula. C'est quoi ça? Quoi? Ça c'est bien bourrin. Qu'est-ce que c'est que ça là par contre? Dégage, c'est quoi ce truc quoi? J'ai l'impression que c'est une espèce de cible, mais je sais pas qui c'est qui gère ça quoi. On va essayer un peu le technique là. Laisser appuyer. Mais attends, j'ai du mal. Non, j'arrive même plus. Attends. Ah si, il faut réappuyer et puis voilà. Je trouve pas facile à utiliser là cette technique là de faire un saut, de laisser appuyer et ensuite choisir une direction pour pouvoir faire un espèce de spin dash, mais tout en sautant. Je trouve ça mieux de faire un spin dash classique, plus contrôlé, on va dire. Après voilà, c'est un coup de main sans doute à prendre. Putain. Comment je peux prendre de la vitesse? Ok, ça c'est cool. Okay. Ah tiens, les petits cochons. Doom va commencer Doom. Putain, ça fait au moins 4 mois qu'il est sur son jeu là de tir là. C'est quoi ce bruit? Bah, Etrel aussi, c'est qu'il fait beaucoup de jeux multi. Il fait quoi maintenant? Il fait plus qu'un score de rétro, non? Par semaine. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Putain, mais merde, tu meurs pas, quoi. C'est n'importe quoi, là. Perds tes anneaux, ok, mais tu meurs pas direct. À moins qu'ils aient refoutu la recovery de Sonic 1. C'est-à-dire inexistante. Ouais, je vais me méfier du coup. Ah ok. Ah
Putain, faut comprendre où aller là. Oh merde, sans deck. Stop. Voilà. Ah. Un gars. Putain, mais. Bon. Ah, d'accord, t'es obligé de passer là. Tu m'arrives, ça. Par ici. Putain, là on se balade hein, dans ce niveau là. Pas dans tous les sens quoi. D'accord. Qu'on fasse, on est éjecté sur la gauche. Donc c'est ce chemin là. Oh putain. Oh merci. Putain c'est ouf hein, j'ai pas trouvé de méga anneau non plus à cet endroit. Hein. Assez bien planqué en général. Attention à ça parce que putain, ça me one shot ça, je sens. Bon, je pensais que je tournais en rond, mais non. Ok. Ça c'est un boss, je sais plus lequel, ça doit être Sonic et Knuckles, ou le 3, je me rappelle plus. Putain, mais qu'est-ce que je fais? Mais oui d'accord, j'ai pas vu les boules au sol. Oh merde. Bourrinage. Faut dire, faut se rappeler que sur Sonic 3 et Knuckles, j'ai été vite fait en Sonic. Et du coup les boss je les torchais en 3 secondes quoi. Donc c'est sûr que ça va pas trop marquer non plus quoi pour certains. Une espèce de truc qui me repousse là. Je peux pas aller plus haut que ça. D'accord, c'est dès qu'il y a la flèche verte là. Ah, ah là je... D'accord, c'est la gravité en fait. Merci Tails. Ah, salut Rage. Pas perso parce que moi je peux pas mettre plus de 5€ dans du démat. Ça dépend. Ouais, il y a les émeraudes, je crois, avec Knuckles également. Enfin, je pense. Hein. Ce serait con de jouer avec lui s'il n'y a pas ça. Enfin, c'est bien parce que tu changes complètement de gameplay, t'as une autre histoire, mais je pense qu'il a le droit aux émeraudes aussi. Il doit y avoir, puisque j'avais lu que déjà pour Sonic 3 et Knuckles, t'avais un Super Tails et un Super Knuckles. Par contre, t'avais pas de Hyper Tails, ça c'est sûr. Et un Hyper Knuckles, je suis pas trop sûr également. Mais ça, je saurais pas trop vous dire. Oh, c'est quoi ça? Putain, mais je suis où là? Salut Aizen! Putain, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, c'est... Qu'est-ce... Je suis téléporté... Putain, je comprends rien. Je me laisse embarquer, là. Ah non, non, putain, c'est quoi encore cette merde, là?
Ça c'est... Attends, mais genre pop, on dirait. Ouais, ouais, en fait, je reviens quelque part. D'accord, il y a une espèce de conduit, c'est bon. J'ai à peu près compris ce qui se passe. C'est quoi ce bras là ? Merde. Oh putain. Oula. Faut aller où ? Putain, on va y arriver. Je te le confirme, je crois qu'il faut aller là. Voilà. Putain, non, pas ça. Ah, l'enfer quoi, faut vraiment pas tomber sinon tu repop. Bah là, du coup, un peu plus loin. C'est chaud. Enfin, c'est chaud. Faut savoir quoi. J'ai hâte de faire le con. Parce que je sens que je vais me faire piéger à tous les 2 mètres. Attends. Attends, vite parce que ça se pète à un moment donné. Oh putain. Oh la vache. Oula. Attends. C'est quoi ce truc qui tourne autour de moi là? Mais merde. Ah, bien joué. Non. Remonte, putain. C'est tendu quand même hein, ce niveau là. Faut être attentif. Ah, ah, est-ce qu'il y a moyen que je prenne ma revanche? Putain, mais là je sais pas où je suis. Attends, heureusement que j'ai pas repopé à l'autre bout là. Putain, merde, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Putain, j'en sais rien. Je sais pas où je suis là, je comprends rien. En haut, il y a un truc pour se téléporter là. Oh le bordel, putain, mais laisse tomber quoi. Comment tu t'y retrouves quoi? Attention, que ça m'écrase pas ça. Ah, Tails qui s'est encore gouré de direction. Foiré, je pense. Ah, mais attends. Comment tu veux? Ah, d'accord. Putain. Ok. Ça va jouer à ça, quoi. S'il te plaît. Voilà. Alors il y a un téléporteur là. Putain, mais la map elle est monstrueuse quoi. Merde. Est-ce que c'est bien ça? Oh putain, je piche que dalle. Là tu vois Totor, là j'ai encore gagné une vie quoi. Franchement c'est assez rapide hein. Je peux pas faire mon double saut. Attends. Je peux pas non. Putain. Attends, ça va mal finir. Ça va mal finir cette histoire.
Ah voilà, ça y est. Non mais vous imaginez quoi, si on peut le modder après sur la version Steam, avec tout ce qu'on voit là. Mais il y a des personnes qui vont faire des niveaux, mais laisse tomber, ça va être du n'importe quoi. Ça va être beau quoi, mais sauf que, en fait, ça va faire comme les niveaux de... Enfin, si jamais on peut faire les niveaux de soi-même, en modant, normalement oui. Mais ça va faire comme Super Mario Maker, où t'as des niveaux, t'as pas besoin de toucher un seul bouton et t'enchaînes comme pas possible quoi. Enfin bref, comme j'ai dit, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, c'est des rumeurs. Donc s'il y en a qui arrivent à péter le code de ce Sonic Mania sur PC, il y a moyen de voir des beaux trucs. Pour un ref, ça fait bordélique, mais c'est juste... Ah, mais c'est impressionnant quand même. Attends. J'ai pas trop le choix. Je sais pas comment je suis passé au-dessus de lui. Oh putain. Bon, y a pas de cheatage possible, genre tu prends sans anneau. De toute façon, non, c'est pas possible. Enfin, tu fais en sorte d'essayer de perdre quelques anneaux pour arriver à 99 et. Et t'as des malus quand même pour t'enlever. Oh, je sais plus. Oh putain, je suis pas mort là. Ça aurait pu. Ah, oh, c'était. Je vais quand même le prendre. Ok. Très bien joué. Voilà, je suis content. Et putain. Merde. Putain, mais. Oh. Je peux rien faire là. Ah, mais putain, mais arrêtez là. Troll de merde. Oh putain, j'avais besoin de ça. C'est moi récupérer. Ah, oh, saleté. Putain, t'es pas très libre, hein. Alors, attends. Mais honnêtement, des modes sur ce jeu, t'auras des mecs qui vont te faire des niveaux créatifs. Sur des labyrinthes de foot, ouais, ça j'espère pas. Putain, merde, le temps! Tu m'y fais penser là. Hein? C'était quoi ça? Je suis à près de 10 minutes là, tiens, le temps s'est arrêté. Ok, le temps s'arrête quand on arrive au boss. Ça, je m'en souvenais pas de ça. Putain, c'est quoi ce. Ah, le temps il redémarre à zéro. C'est quoi ce bordel? Ah d'accord. C'est le seul moment où il passe à... Ah, la musique, c'est un remix de... Doomsday là, enfin... Le dernier niveau là dans... Putain, merde. Sonic et Knuckles. Merde, attends, j'ai encore la mise en veille. Oh, ça m'a fait dégager l'anneau. Je vais crever. C'est sûr, la 60 000 patterns là, faut que je les comprenne. T'as eu de la chance, sinon c'était game over il y a quelques secondes. Alors, c'est pas game over, mais oui, je serais réapparu au dernier checkpoint. Thank you.
Je crois qu'on peut rien faire de toute façon, faut attendre. Faut que je m'arrête juste avant plutôt. Non, c'est les mains de Mother là, de Isaac. J'ai l'impression que c'est le boss final, non? Donne cette impression là de voir tous les autres robots là aussi. Je suis obligé. Bon, j'ai l'impression que je suis obligé. Non, non, non. Putain, c'est chaud là. Ah, saleté. Eh merde. Putain, ouais, ça va être chaud. J'ai l'impression que c'est le boss final. Enfin, dites rien. Mais là, il y a un enchaînement, là, c'est... ça fait boss final, quoi. Bon, tant pis, je vais perdre le max d'anneau, là, face à lui. Il faut que j'arrive à lui péter les bras, là, assez rapidement. Putain, mais pas comme ça, quoi. Ah bah d'accord, j'ai déjà perdu les rings. Ah putain, bah oui, oui. Si t'envoies tout dans le coin, oui, forcément quoi. Bon, faut que j'arrive à lui péter les bras, ou alors c'est... Putain, faut que Tails fasse tout, bon, fasse tout. Je sais pas s'il y a moyen de péter sa bulle avant. Putain, mais merde. Je peux lui foutre deux coups, moi. Voilà. Ouais, hop, direct. C'est curieux. Ok. C'est plus qu'un bras, on va encore se téléporter. Ouais, mais c'est l'autre fou là. Putain, ça va être chaud là. Son mouvement à lui. Ah d'accord, moi j'ai perdu l'anneau. C'est peut-être là que ça va me servir les 20 vies. Hein. Non, putain. Eh merde. Mauvais timing. Putain, je redoute, c'est surtout le deuxième robot que j'aime pas là. Reste juste au milieu. Pour le robot? Bon attends, on spoil pas trop après hein. Mais ok. Ça je me ferai toujours avoir. Incroyable.
Après là, je joue vraiment très bourrin aussi. Bon, je vais lui péter un bras au moins. Merde, bah il est resté un coup normalement. Quoi, cette arnaque? C'est pas grave. Putain. Putain, il faut des réflexes de malade. C'est pas grave. Ça c'est bien. Eh putain. Ok. Après, faut les attaquer ou pas? Parce que c'est ça, je comprends pas. Putain, qu'est-ce que j'ai du mal? Bon, y'a pas des. Je vais crever. Oh putain! Cette chance! Ouais, mais bon. Putain! Ok, donc faut le savoir, il te fonce dessus direct. Ah, je crois que j'ai claqué toutes mes vies sur ce boss, quoi. C'est parti, là. Putain. Ça c'est beau ça. Bon, deux missiles qui sont allés sur sa gueule. Un bras de moins. Pas du bon côté, fichier. Putain, ça va être long. Hein. Celui-là, je l'adore. Il a été touché. Mauvais timing. Putain, c'est super tendu à manier. Hein. Avec justement ce... Oh putain, ouais d'accord. Ouais, je vais pas y arriver. Oh putain, ça y est. Le moment de l'échec est là. Tu peux arrêter de coller la bouche là? Bon, on va voir le suivant. Sauf si on revient sur un ancien. Ah non, mais t'as 50 000. Quoi, comment ça se passe? Alors là, j'ai eu du cul, mais total. J'ai eu du cul, mais total. Putain, et ça passe depuis tout à l'heure, et là non. Allez, on se retape tout, putain, bon bah... C'est parti pour une heure, là. Je le sens pas, là. Ouais. Bah, il se lâche sur la fin, quoi, au niveau des boss. Apparemment. Bon, ça, je ferai toujours même erreur, hein. M'en voulez pas. Mémoire de poisson rouge. Ah ouais. Putain. Putain, puis qu'est-ce que c'est long? Enfin, je sais pas, là, c'est un peu chiant.
Je me rends compte que maintenant que ça c'était grosse explosion. Attends, vite, vite, vite. Ok, raté. Ok. Mais ah. Putain, ça passait jusque là. Ok. Ah, c'est bon. Ça c'est le pire chose ever. Non mais avec les ressorts ultra bien placés. Bien, dépêche, d'accord. Bon, bah c'est encore foutu. Waouh, là les gars. Là, ils ont fait fort. Ou alors, c'est moi qui suis complètement naze, crevé, tout ce que vous voulez. Ou alors, c'est ultra difficile. Mais là, il y a un cap de franchi assez impressionnant, quoi. J'imagine que la plupart des joueurs vont dire qu'ils l'ont one shot direct, sans souci, comme on entend tout le temps, quoi. Ce qui m'inquiète, c'est que s'il faut buter ces robots-là, ça va vraiment être très très long, quoi. À tête chercheuse, quoi. Quelques vies seulement. Ensuite, tu as combien la 7? Non, mais lui, il est juste. Moi, je vais faire que l'éviter. J'espère qu'on n'est pas obligé de le buter, lui. Il est juste. Il est impossible. Enfin, moi, j'y arrive pas. Il est juste ignoble avec la structure du niveau là. Oh, moi je l'affronte pas. Hein. Oh, putain. Mais prends-le. Normalement, le but c'est vraiment c'est d'avoir que Robotnik, quoi. On s'en fout des autres robots. Voilà, ça fait quoi là? Oh, y'a Knuckles. Ah, c'est la fin? Ok. Je pensais qu'il y aurait d'autres trucs. Ah, on n'est pas obligé de péter les autres robots. Putain, j'ai eu peur pour ça, quoi, vraiment, quoi. Ah oui, bah, à ce compte-là, si c'est juste éviter, ok. Ah, j'avais vraiment peur pour le second, quoi. La petite cinématique de fin, là. Bon, évidemment, c'est pas la bonne fin, j'imagine. Il faut avoir les 7 émeraudes. Ou buter les autres robots. Je sais pas. Crédit de fin, putain, c'est. Ah ouais, c'est court comme fin quand même. Après, c'est peut-être plus long avec les 7 émeraudes. Bon, c'était sympa, mais vous voyez que j'ai quand même galéré là. Sur la fin. Pas évident ce boss quand même. Hein. Bon, après, voilà,
s'il n'y a pas à buter les robots, ça se fait plus facilement, quoi. Enfin, faut quand même tout éviter, quoi. Mais à voir, ça se trouve, si t'as 7 émeraudes, t'es obligé de te les faire, quoi. Je sais pas, bon, ça sera la surprise. Ah, merci bien. Et c'est, merci bien, donc, bilan sur ce Sonic Mania, bah, écoutez, hein, gros retour aux sources, hein, vraiment très très bon, hein. Je vais le refaire avec plaisir, ça c'est clair, pour essayer de tout choper, surtout les émeraudes, puis peut-être explorer un peu plus les niveaux, parce que je vois que c'est juste immense. J'aimerais bien voir un peu les autres embranchements, enfin, de toute façon je me rappelle même pas ce que j'ai fait, quoi, mais vraiment très très bon, hein. Ça se voit que c'est un fan game totalement, quoi. C'est clair, là, ça fait plaisir justement aux vieux nostalgiques. On retrouve le bon Sonic comme on voudrait, hein, ça. C'est sûr que là on retrouve vraiment l'essence des premiers Sonic. Alors qu'on l'avait pas hyper bien ressenti dans les Sonic 4, enfin je pense surtout à l'épisode 1, qui était quand même pas génial. L'épisode je l'ai pas fait, le 2 je l'ai pas fait, mais apparemment il est bon. Le premier il se faisait, quoi, mais voilà, il y a un truc qui manquait, quoi. Et celui-là, bon bah voilà, c'est un Mega Drive, quoi. Même si c'est une Mega Drive hyper boostée, hein. Là ça on peut dire c'est vraiment de la 2D boostée. Ça aurait pu sortir peut-être sur Saturn, quoi, j'en sais rien. Ce serait pas aussi fluide, mais bon. Il y a des lieux où t'as été, je n'avais pas vu sur ma partie. Ah bon? Ah, carrément des lieux. Enfin, attends, des lieux, tu dirais. Pas des mondes, quand même. Attends, s'il y a carrément des mondes. Où on peut aller. C'est énorme. Merci d'être passé, Rage. Il y aurait plus de chargement avec la Saturne. Ça aurait peut-être... Ça aurait peut-être été un peu lourd, mais le rendu aurait pu être, je pense, pareil. Je sais pas. Bon, bah voilà, les crédits de fin. Alors, attends, est-ce qu'on peut accélérer ça, parce que bon... Oui. Crédits de fin, en général, ça dure 1000 ans. Il y a du monde, hein. Des parties de niveau. Ah oui, d'accord, oui. Ah bah c'est clair, non mais attends. Je pense que ça existera prochainement, mais il y aura les maps. Tu sais, hein, comme il y avait pour Sonic 3, Sonic 2, c'est comme ça que je me repérais pour les méga anneaux. Où on voyait toute la map sur un PNG, enfin une image, et c'est juste énorme. Ah, bah, ah, il fait exactement comme dans la fin de Sonic 1 quand t'as pas toutes les émeraudes. Il s'amuse. Avec celle qui l'a. Alors je sais pas pourquoi il est dans une décharge. Excellent. Alors voyons vite fait les bonus, est-ce que j'en ai? Ah non, j'ai toujours rien. C'est ça que je comprends pas. Ou alors faut finir une ligne pour avoir un bonus. Putain, c'est con. Ah, faut que je fasse d'autres bonus stage, faudrait que j'en fasse 3 de plus. Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Et du coup il y a quoi là? Terminé. Ah, c'est bien ça. On peut se refaire une zone qu'on aurait ratée. Ah, ça c'est cool. Donc voilà, donc les émeraudes, on n'est pas obligé de les faire tous d'une traite. On peut revenir si jamais on a raté, quoi. Ça c'est bien vu. T'as réussi toi, Psy Wave, à débloquer des bonus? Limite, j'ai envie de tenter vite fait. Attends, il est quelle heure? Ouais, je vais pas trop tarder. Débloquer vite fait 3 bonus stage juste pour essayer de faire une ligne. Enfin, faut que j'arrive à faire les. Faut que j'arrive à faire les. Justement, les bonus stage. Je m'en fous que ça soit en or ou en argent. Faut que je chope 20 anneaux, je crois. Voilà, c'est bon. Non, j'ai presque donné une complète. Ah merde, d'accord. Donc, sinon, ça n'a rien à voir. Putain, c'est mystérieux ça. Bon, du coup, je finis là-dessus. Attends, on va essayer de se faire l'or quand même. Enfin, merde. C'est mal parti, mais. Ok.
Marc, comme ça tu peux farmer aussi les bonus stage. Tu reprends le Granny Zone par exemple. C'est assez rapide pour avoir les. Le premier checkpoint. Alors je me demande si les bonus stages comme ça sont générés, je sais pas si c'est aléatoirement, j'en sais rien. Si ça fait comme quand on mettait Sonic 1 avec la cartouche de Sonic & Knuckles, où là t'en avais vraiment mais énormément quoi. Je sais pas si c'était aléatoire ou pas, mais il y en avait vraiment une grosse quantité quoi. Putain, j'ai pas le perfect là. Bien. Et bon, c'est pas grave. C'est que j'ai débloqué Sonic qui dash comme dans Sonic CD. Ah ouais. Ah, tu sais pas l'activer, normalement tu appuies sur haut et tu appuies sur le bah, un saut, le bouton de saut. Et là tu l'actives. Enfin c'est comme ça en tout cas sur Sonic CD. Alors je sais pas s'ils ont changé le. S'ils l'ont changé, mais normalement c'est comme ça. Bon tant pis, c'est pas grave. De toute façon ça se trouve, attends, on va voir. Ah bah tiens. J'ai débloqué quoi là? Ah, le bouclier instantané comme dans Sonic 3, ouais. Ah mais c'est pas dans les bonus. Ah, par contre, ça a bien compté ma médaille. Ah mais en fait, il y a que 3 bonus. Parce que là, quand je sélectionne... Attends. Ouais, en fait, ça sélectionne les deux, la fois. Ok. Rien dans les options, sinon, hein, qui te dit? Non. Donc, normalement... Ah putain, j'ai pris terminé, ça fait quoi? Ah d'accord, je recommence. Ouais, attends, ça s'active pas là. Je devrais pouvoir le faire là pourtant le. C'est quoi ces conneries? C'est vrai que ça marche pas là. Ou alors attends, c'est peut-être. Peut-être en compétition, j'en sais rien. Contre la montre. Ou alors là. Non, je peux pas le faire là non plus. D'accord, ça c'est pour commencer. Ah, c'est pas mal ça. Mais bon, non, ça. Je te l'explique pas non plus comment ça se fait là. Comment on active ces conneries? Tu vois, classement. Comment ça se fait? Ah non, non, la connexion. Oh putain, j'aurais pas dû. Ah, bah tiens, d'accord. Très fort. Donc j'ai fait planter la PS4 avec ça. Ouais, je sais pas, je retourne vite fait, mais de toute façon là j'ai terminé là. Je suis bientôt arrêté. Je suis quand même curieux de savoir comment on active ces bonus là. Putain, la stabilité quoi. C'est peut-être parce qu'il y a plus de bande passante qui l'a pété là. Y'a pas le. Merde, je me rappelle plus le code. Ah bah non, de toute façon si on appuie sur une touche, ça va direct dans le menu. Ça se trouve le code du premier Sonic marche. Non mais je vois pas. Contre la compétition mais je peux rien. C'est con qu'il n'y ait pas de CPU. Ah, attends moins que. Ouais ça m'étonnerait. Bon je fais n'importe quoi là. Parce que là on l'a pas. On se retape l'intro. Ouais, à voir quoi sur les forums. Bon, maintenant que je l'ai fini le jeu, je peux regarder un peu comment ça se passe pour ça par exemple. Putain, j'ai eu 34 nouveaux follow ce soir. Putain, c'est incroyable. Attends, j'aurais peut-être pas dû lancer une nouvelle partie parce que là, ça va être un peu long. Beau appuyer sur tous les boutons, par les sticks. Je sais pas du tout comment ça s'enclenche. C'est peut-être un DLC, hein. Peut-être qu'on nous dit ça, mais c'est présent seulement si on prend le, on achète le DLC qui arrivera bientôt, quoi. Je sais pas.
seulement activer l'insta shield en no save. Bah c'est ce que je viens de faire, mais là je suis en no save et ça marche pas. Il le fait pas quoi. Puis ça serait con. Pourquoi il mettrait ça en no save quoi, enfin, c'est n'importe quoi aussi ça. Tu vas pas tracer tout le jeu sauf si t'as vachement de temps devant toi d'un coup quoi. Là ça marche pas. Bon j'en sais rien. On verra ça sur le net. Il y en a qui vont bien trouver.